Chère étudiante, cher étudiant, aujourd'hui, c'est à toi de jouer. En effet, du 19 au 22 mars, tu as l'occasion d'élire tes représentants AGM et tes représentants BDE. Je vous invite vivement à aller voter pour les élections de l'AGL. L'AGL, c'est un organe essentiel dans le bon fonctionnement de l'UCL. Alors du 19 au 22 mars, n'hésitez pas, allez voter pour vos représentants. Donc je vous encourage fortement, non seulement à profiter de ce droit, mais à l'assumer, c'est une responsabilité. Merci beaucoup et bonnes élections. Avoir en face de soi un interlocuteur qui est légitime, évidemment, a plus de poids que s'il ne représente qu'une infime partie des étudiants. Ben, je vous invite à voter aux élections de l'AGL. Pour nous vraiment mettre en place les élections, car c'est que les étudiants qui peuvent changer le monde et on a vraiment besoin que le monde change. La politique, c'est la décision collective. Celui qui s'abstient, il ne compte pas dans la société. La réussite individuelle ne mène pas très loin. Mais il faut passer par la politique, et la politique commence à l'AGL, commence à l'université, elle commence par le vote, mais elle ne s'arrête pas au vote. Le problème, c'est que si on se désintéresse de la politique se fait toute seule et elle se fait dans le désintérêt des citoyens. Comme disait je ne sais plus qui, quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants. Doctorants, allez voter, ça vous concerne aussi. Pour les élections étudiantes, mobilisez-vous, faites entendre votre voix.